parti. Oh là là, parce que je suis fatiguée. J'aurais besoin d'un bon petit café pour me remonter le moral. Je prends des trucs pour dormir, mais bon. Moi, tu donnais quoi la dernière fois? La camomille. Ouais, ouais, c'est ça. Mais bon, après, j'arrive pas à dormir. J'ai des barres dans la tête. Ding, ding, ding. Never. J'ai trop bu hier soir. Bon, je suis pressée. J'ai pas que ça à faire. Vous savez, je suis actrice. J'ai besoin d'attention particulière. J'aurais besoin d'un petit soin pour protéger ma peau sensible. Bah, une petite crème et puis sans sucre pour votre ligne. Alors, on a cette émulsion contre les rides? Dites tout de suite que je suis vieille et grosse. Ou celle-ci? Ah, non, elle me dessèche la peau. Ou celle-ci, teintée? Ah non, elle me fait briller. Ou celle-ci, vous ne capterez pas la lumière, vous serez la lumière. Ding, ding, ding. Never. Bonjour madame. Bonjour. Il est où, dentiste? Alors, prenez la première rue à droite, au 36, c'est le docteur Muller. Merci. Au revoir. Elle a un problème, la petite dame, hein? Bon, et moi alors? Elle coûte combien, celle-ci? Ah ouais, quand même. De toute façon, je suis pressée. J'ai un casting. Je suis le temps qui passe, alors je passe et je repasse. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Eh oui, même le dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Eh, ça va, on a compris, le temps passe, quoi. Mais doucement. Bonjour. Bonjour. Bonjour, en fait, je cherche une crème. Vous savez ce que vous m'avez donné la dernière fois, là? Une grosse boîte de médicaments, je sais plus ce que c'est. C'était orange et rouge, je crois. Non, rouge et orange. Ah, une orange pressée in et avec de l'acérola. Mais c'est pourquoi? Contre les douleurs. Mais où? Au ventre. À la tête. Et c'est pour qui? Pour moi. Eh, du pou et du pou. Pour toi? Faudrait se décider, là. Ding, ding, ding. Oh, la petite mamie va pas tarder. Ah, du paracétamol? Non. De l'ibuprofène? Non. De l'aspirine? Non. Ouais. De l'acétyl salicylique d'estropocosyphène hydrochlorothiazide? Oui, c'est ça. Mais là, il m'est arrivé quelque chose. Hé, hey, il est quelle heure? Ding, 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 et 10 heures, 10 heures. Faudrait peut-être appeler chez elle, là. Ah, madame Josette, mais où étiez-vous? On vous cherchait, vous commencez à s'inquiéter. Venez, asseyez-vous. Bah, j'étais chez le dentiste. Pour partager votre temps. Et vos soucis? Le comptoir de la pharmacie, pensez-y.
c'était le groupe numéro 11. Dans Brève de comptoir, le thème choisit leur métier. Ils font partie du CFA de la pharmacie Paris-Île-de-France. Ces jeunes demoiselles sont en brevet professionnel de préparatrice en pharmacie. La mise en scène est de Esther Bastendorf. Les comédiennes sur scène étaient Aurore, Marisa, Gwendoline, Alizée, Adeline et Laura, que l'on peut encore encourager.